Vous écoutez Taoui FM. Aujourd'hui, je reçois Philippe Monnier et Jean-Paul Debouy. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Oui, on s'est déjà vu tout à l'heure. On a commencé à papoter et il vient nous parler d'un concert, premier concert de blues et rock. Festival. C'est un festival. C'est un festival. Approche-toi, oui, Jean-Paul, festival. Le micro on ne peut va dire pas festival te de blues. Parce oui, que festival. Quelle est la différence entre un festival et un concert? Concert, souvent, c'est un artiste avec une première partie. Là, c'est un festival. C'est vrai qu'il y a de nombreux artistes. C'est-à-dire qu'on a de nombreux groupes, on a de nombreux musiciens. Donc, ça veut dire que c'est un festival. Et ils vont tous jouer? Bah oui, normalement, tant qu'à ils faire. Vont tous. Alors, de ce sont tous des locaux. Vous avez fait venir oui. des gens de toute la Polynésie. Comment ça se passe? Oui, en fait, de Tahiti surtout, hein, parce que toute la Polynésie, je crois que c'est assez difficile, parce que bon, on n'a pas de budget, puisqu'on fait ça tous entre nous. On est tous sponsors, et c'est le premier. Oui. Donc voilà, on n'est pas sponsorisé par des grands groupes, rien du tout. Donc on s'est débrouillé à le faire nous-mêmes, entre nous. Donc c'est vrai, c'est la première fois que ça se passe. Donc le premier festival de blues et rock, parce qu'on pourrait dire aussi premier festival de rock et blues, parce qu'il y aura beaucoup de rock aussi avec les groupes qu'on a fait venir. Et vous, tous les deux, vous jouez dans le même groupe ou vous avez des groupes différents? Comment ça se passe? Pas du tout. Je vais laisser la parole après à Jean-Paul, Picbois. Pour l'instant, j'organise. Je suis l'organisateur du festival. Ça faisait longtemps. Tu ne joues pas? Je ne joue pas. Non, je peux pas avec des musiciens professionnels. On peut pas. Ah, tu es simplement fou de musique. Je joue, mais j'oserais pas. Peut-être j'ai joué un peu avec Rome, mais si je pourrais le faire. Mais enfin bon, je pense que cette soirée sera quand même très professionnelle. Donc je pense qu'il faut la laisser. C'est la place vraiment aux professionnels. Il faut que la population découvre justement les talents qu'on a en Polynésie pour ce style de musique. Et je pense que les gens ne les connaissent pas, ils vont les découvrir. Mais c'est vrai qu'on devait faire dans plusieurs hôtels. Ça fait peut-être 2 ans qu'on travaille avec Jean-Paul dessus. 2 ans avec des grands hôtels qui nous ont fait tourner un peu en disant oui, ça nous intéresse. Donc c'est vrai que ça fait 2 ans. Maintenant, on commence à nous dire, vous savez, festival de blues et rock. Mais il y a des. Oui, c'est vrai, mais ça fait 2 ans qu'on avait des idées. Il a failli s'appeler l'Arlésienne. Voilà, en fait, c'était la nuit du blues. Et ça, c'est l'Arlésienne parce qu'on devait faire venir des musiciens. Bon, moi je connais beaucoup de monde parce qu'à un moment j'étais sur Hawaï, donc avec ma maison de production, Highlands Production. Donc on avait des. Et là, il y avait par exemple quelqu'un que les Tahitiens connaissent bien. Tahiti, vous connaissez bien, c'est Willie Kay. Willie Kay, c'est un grand artiste hawaïen qui s'est mis dans le blues et qui a un très très grand succès dans le blues. Donc on devait les faire venir avec aussi un musicien de France qui est assez réputé qui s'appelle Buck Langlois, donc Magic Buck, qui est vraiment un très très bon bluesman. Voilà, mais bon, là on n'a pas les moyens, on n'a pas eu de sponsor par des grands hôtels, etc. Donc on a fait c'est ça, le premier mais on le fait qui va être un feu d'artifice et qui va être le début et très rapide surtout très rapide parce que la salle Manuiti de Paia, puisque moi je suis de Paia, Jean-Paul, nous sommes tous les deux de Paia, cette salle a été fermée pendant 2-3 ans pour des raisons de sécurité et elle vient de s'ouvrir le mois dernier. Donc c'est pour ça que j'ai vite sauté sur l'occasion, premier créneau, pour dire au maire de Paia, lui dire bah écoute Jackie, on va faire quelque chose à Paia, on va faire un peu sortir du vide culturel que certaines communes disons sont plongés, on va le faire sortir par le premier festival. Donc je remercie Jackie Grave, le maire, qui m'a dit tout de suite ok, je mettrai tous les moyens, faites votre premier festival, ça m'intéresse et allez-y. Donc merci à la commune de Paia. Donc c'est déjà pour la date, hein, voilà. Vendredi, ben, c'est la semaine prochaine. Samedi, ben, oui, c'est bientôt. 20 octobre. Voilà, c'est bientôt. À voilà. Partir de De 20h normalement jusqu'à 11h30, minuit, voilà, ça va être un festival. Donc voilà. Donc les Jean-Paul, toi, qu'est-ce que tu vas jouer, toi, avec, tu as un orchestre, un groupe? J'ai des musiciens, voilà, et je fais du blues. J'ai essentiellement chanteur de blues et guitariste de blues. Enfin, j'étais guitariste parce que sinon je suis le guitariste sans doigts. Après des petites péripéties familiales et tout, bon, je me suis un peu abrégé coupé certains doigts, quoi. Voilà. Mais maintenant, je joue du lap steel aussi. Enfin, je jouais déjà avant et je joue du blues avec la guitare, au bottleneck. Donc voilà. Mais je trempe dans le blues depuis tout petit, quoi. Depuis tout jeune. Et à part Jean-Paul, il y a beaucoup d'autres groupes. Oui, il y a beaucoup d'autres groupes. Disons que Jean-Paul va surtout faire la scène blues parce que Jean-Paul est un passionné du blues. C'est un très bon joueur de musique blues. Enfin, je sais qu'il va sûrement faire une prestation qui sera remarquée. Les autres groupes seront, disons, on va dire plus rock. Hein. Opsis, Doctors, qui est aussi Blues Offender, sont plus rock. Rome MC étant lui un peu plus instrumental.
musique instrumentale rock et blues. Voilà, donc en fait, je pense que Jean-Paul sera plus blues, mais tous les groupes font du blues et du rock quand même. Alors, voilà. Les morceaux qui vont être joués, ce sont des morceaux connus ou de vos compositions ? Il y a des morceaux, on va faire beaucoup de morceaux connus parce que. Des reprises faire, pour commencer. Oui, absolument. Jean Hendrix, When Cries Mary, des morceaux de John Campbell John, des morceaux de John Lee Hooker, par exemple, aussi, puisqu'il est, il est sur l'affiche. Oui, l'affiche donc, elle est particulièrement réussie. Ouais, merci à Rome, c'est Rome qui l'a fait d'ailleurs. C'est Rome Spin-Up. Un dessin et tout qui est magnifique. Ouais. Et ça, pour honorer donc cette affiche avec John Lee Hooker, moi je me suis dit, je vais faire aussi I'm Ready, un morceau de John Lee Hooker. Voilà, donc. Et puis plein d'autres, un peu de Clapton, un peu de B.B. King et des choses comme ça, quoi. Donc des morceaux que les gens connaissent, des Robert Johnson, Sweet Home Chicago, enfin Uchi Kuchi Men, tous des morceaux anciens qui datent des années 20, des années 30, des années 50. Voilà. Donc alors vraiment l'image du blues, quoi. Vous avez commencé déjà les répétitions à plusieurs Non, chaque groupe tourne. Chacun chez soi a fait ça. Enfin, moi, dans ma maison, j'ai mon studio d'enregistrement et ma salle de répétition, mais chacun le fait de son côté. Mais il y a des morceaux quand même qui sont des standards que tout le monde connaît plus ou moins. Et alors les gens qui se sentent de le faire, le front, je pense qu'il y aura sûrement un bœuf aussi. Voilà. Je pense que vu les numéros qui vont se produire, tout le monde va être sur scène vers la fin. Quoi. Oui, surtout on a pas mal d'invités aussi. On a des invités. Bon, on ne sait pas s'ils viendront tous parce qu'il faut savoir que le samedi soir, ils sont souvent pris dans certains hôtels de la place. Donc il y a beaucoup de très bons guitaristes qu'on aimerait bien avoir avec nous, mais qui hélas sont pris. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir se libérer à temps ou pas être trop fatigués pour venir nous rejoindre ? On a fait appel pratiquement à tous les guitaristes, pratiquement tous. Il en manque bien sûr parce qu'on n'a pas eu le temps vu la rapidité, disons, pour vite faire ce festival parce qu'on voulait vraiment le marquer. Ça fait tellement longtemps que tout le monde en parle, mais il y a même des groupes qui ne sont pas venus parce qu'ils nous ont dit ça fait des années que ce festival, vous l'avez promis depuis longtemps. Mais maintenant, on n'y croyait plus. Donc là, ils reviennent vers nous, on est mais c'est trop tard, là, on a fait la scène. Bon, mais c'est trop tard, ça veut dire qu'il y aura d'autres, on espère qu'il y aura d'autres. C'est bien écrit. En plus, vous avez la gentillesse d'offrir des places à nos auditeurs. C'est bien écrit, premier festival. Voilà. Absolument. On espère que d'autres communes, il y a Punaouya, il y a Papara, il y a d'autres communes un peu en dehors de Papété. Ça serait bien que les communes soient, qu'on arrive à exporter ce festival. Voilà, parce que vous pourriez jouer, vous avez la possibilité de jouer dans d'autres endroits après. Tout à fait. Ça peut être un spectacle complètement clé en main, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ça peut s'exporter même dans les îles, s'ils veulent. Hein. Voilà. C'est une question de coût. C'est une question de coût. Hein, oui, après, il y a le transport. Voilà, on sait qu'à Taha, ce week-end, il y a les rock, blues rock Fender qui vont à Taha, c'est ça ? Oui. Hein, donc ils vont à Taha, donc on sait qu'eux, par contre, ils peuvent venir tous les groupes à Taha. Bon, c'est vrai que ça demandera quand même bateau, ça demande quand même un petit côté financier. Organisation et financière et technique. Quoi. Voilà, mais quand ce sera le festival mondial des blues et rock de Tahiti, tout le monde se précipitera. Oui, je pense qu'il y a des très bons joueurs. On va découvrir tout un tas de groupes où il y a des très bons instrumentistes. C'est le moment où c'est de la musique locale aussi. C'est pas la musique folklorique, mais c'est la musique locale en blues, en rock, et on va être sûrement très surpris par le spectacle qu'on propose. Et on espère justement qu'il y aura des animations. Certains vont amener des jeunes, d'autres des groupes. On dit pas tout, mais bon, on espère que ces gens-là. Il faut laisser la surprise. Mais on veut le faire sur le style très 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 vivant, quoi, que les gens soient et que les orchestres puissent les uns après les autres se succéder. Peut-être 30-35 minutes. Faut voir avec Jean-Paul. Hier, on a déjà eu une réunion pour fixer un peu tous les groupes, donc je pense que ça sera quelque chose quand même. Ça sera la première fois qu'on verra ça sur scène, les groupes qui se succèdent. Bon, avec quand même pas mal de morceaux. On a vu ça dans des actions caritatives. On a vu ça pour Haïti, des choses comme ça où il y a énormément de groupes qui se succèdent. Nous, c'est vraiment un cadre bien particulier, que du rock, que du blues et la scène locale de préférence. Enfin, c'est la scène locale, donc c'est les artistes qui se produisent sur Tahiti. Donc, écoutez, on va se donner donc rendez-vous samedi 20. À la salle, à l'espace culturel Manuiti à Paea. On peut avoir des places sur place ou il faut déjà commencer à réserver ? Oui, on peut avoir des places, acheter les billets sur place. Le prix des places, d'ailleurs, n'est pas très onéreux. 1000 francs. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre redire. C'est pour toutes les bourses, c'est pas vrai. Voilà. C'est populaire. Voilà, on a voulu faire un événement populaire. 1000 francs, c'est à peine le plat d'une place de cinéma. Si les gens peuvent venir quand même nombreux, parce que nous, on prend des risques et financiers quand même pour ça, pour l'allocation de la salle, l'organisation et tout, c'est quand même pas mal de choses. Donc vraiment, on fait des choses pour vous, au moins honorer les choses qu'on fait pour vous.
c'est minimum 1000 balles, c'est pas mal, quoi. Voilà, et puis écoute, en plus, alors, donc, en plus, s'ils gagnent une place, ils peuvent venir accompagner, et là, voilà, ils... leur grand-mère, leur cochon d'Inde, le chien, le chat, tout ça, tout ce qu'ils veulent. Tous ceux qui aiment le blues et le rock. Et les enfants en dessous de 10 ans ne paient pas. Enfin, jusqu'à 10 ans ne paient pas. Voilà. Ouais. Ah, y en a qui vont mais, se déguiser. Mais il faudra qu'ils mettent quand même des boules caisses, quand même. Hein. Enfin, qu'ils se mettent des boules caisses. C'est très bien comme soirée. D'ailleurs. Les enfants, quand même, ils vont pas trop dormir, les bébés, parce que ça fait quand même du bruit. Hein, être honnête, bah, écoute, voilà. De toute façon, je compte sur vous pour nous régaler. Et rendez-vous samedi prochain, samedi 20 octobre, à partir de 20h30. On affûte nos guitares. Ça vous laisse le temps de dîner avant et de vous régaler. On affûte nos guitares. Voilà. Voilà. Et se régaler, c'est la Esmanoura qui quand même prend en charge la soirée. Quant à l'organisation, il faut le remercier. Notamment le taekwondo, la buvette. Hélas, Anne-Caroline Graff donc, vient de partir. Ah. Alors, on l'a vue, elle voulait venir. Mais bon, on n'a pas pu. On voulait faire le 13, donc ce samedi, on aurait pu encore la voir. Elle est partie, donc voilà. Donc, mais c'est quand même le taekwondo qui va prendre la buvette. Donc c'est bien, on va vendre des t-shirts d'Anne-Caroline Graff. Enfin, il y aura tout un tas d'animations. Voilà. Donc. Ah oui, c'est complet, un spectacle complet. Mais de toute façon, alors, donc, premier festival en attendant les autres. De blues, absolument. Merci, messieurs. Merci, Anne. Merci, Martine.